Salut les amis, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la suite de nos aventures, donc sur du let's play de GTA V. Donc on va aller voir Michael, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça se passe tout nickel. Et puis aujourd'hui on est le... toujours le 22, putain, que je regarde, je ne sais pas. On est toujours le 22 octobre, donc au soir, par contre... Voilà, on est toujours le 22 octobre au soir, et ça se passe tranquille, tranquillement, tout doucement, on y arrive, il n'y a pas de soucis. Je vais mettre un point sur la carte pour aller voir Michael, et on changera, je pense, peut-être de perso après ça. Parce que vous aurez eu deux missions avec Franklin, donc ce serait pas mal de changer, je pense, après. Par contre, je vais m'arrêter 2 minutes, parce que j'ai pratiquement plus de son dans mon casque. Des fois c'est le contraire. Voilà. Voilà. J'ai remis du son. Parce que je sais pas ce qui s'est passé, ça a dû bouger tout à l'heure. En tout cas, c'est plus agréable de jouer avec un petit peu de son quand même. Hein. Imaginez jouer à GTA sans son, c'est un truc de fou. Hop, on va faire comme les flics. Hop, hop. Hop, hop. On va essayer de pas trop toucher les flics parce que sinon ils sont assez agressifs dans ce GTA, je trouve. C'est assez agréable d'ailleurs parce que ça change de. Oh putain, je me suis trompé, c'est pas grave, on va prendre la prochaine. Ça change de flics totalement inerte. Au moins là, on a des policiers qui vivent dans la vie, donc ça c'est pas mal. Moi, c'est pas du tout un reproche, c'est vraiment une qualité, je trouve. Que les flics soient un petit peu plus agressifs. Bah effectivement, quand vous montez au niveau des... Oh putain, quand vous montez au niveau des étoiles et tout, ça devient plus compliqué, mais c'est pas infaisable. Je sais plus si je l'ai déjà mis en vidéo, mais je suis déjà arrivé plusieurs fois à 3, 4, enfin à 5 étoiles, et 3-4 fois, je m'en suis sorti, on va dire, sans trop de soucis. Alors effectivement... Je vais aller au point, hein, pour qu'il enlève le point, parce que ça m'énerve, je sais que Michael c'est juste là. Effectivement, quand on a 5 étoiles, c'est plus difficile hein, qu'à 2 étoiles, mais c'est un peu logique également que ça soit plus difficile. Voilà. Donc, je suis très satisfait de cette IA, moi pour le moment. C'est pas trop compliqué, c'est pas trop dur, ça va, c'est assez agréable. Putain, il flotte comme vache qui pisse et moi je me trouve en... Allez, c'est parti. Je pense qu'il va ressentir. Where you at, man? Your house is empty. Oh, hey. I had to kind of lay low for a while. Yeah, that nice Mexican we met. Me and T did that job for him. And we fell out. You gotta be joking. I wish I was. So where you at now? Desert, out by Alamo Sea. Alright, well, I'll hit you if I find anything. Absolutely. Hey. Trevor's got his wife. Trevor's got a wife? No, the Mexican's wife. What? Shit, I don't know what to say about that one. Nothing. Nothing to say about that. Run! Run! I'm back! Coming, Trevor! Bring me my coffee, I'm gonna cut your arm off. Absolutely! Who the hell's that, your maid? A business partner. Good guy. Very loyal. Ron, that is Michael. And this is Patricia. Listen, beautiful. You know, I'm sorry about everything that's happened, and you know... Can't guarantee no harm's gonna come to you. Might have to chop you up into little pieces before spraying your pulp mess down the drain, but I really hope it doesn't come to that. I appreciate your honesty. You are a good man. I can see that. You need your eyes examined, then. Ron, you miss me? Yeah, Trevor, a bit, I mean. How's the fucking business? I tried. If you're gonna give me a sob story, I'm gonna rip your fucking throat out and shove a turd down the hole. It's not a sob story. It's just not quite come good yet. But I heard about something.
to do with Meriwether. Those assholes. Big cache of weapons they got coming in. So I thought you might want to, requisition it. Fantastic! Let's go! Man. Whoa, no, 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 not you. Sit down. You're a wanted man. Stay low. Now watch her, okay? She's a good lady. Let's go, Ron. Good to meet you, Michael. Fucking come on, let's go! The weapons are coming in by air. We've got a plane over at the airstrip, but... Great, let's go! Juste excellent. Montez dans l'avion. On est parti. Voilà. Juste excellent. What are you gonna do? We're not gonna take out a private army on the ground, Ron. We gotta meet them in the air. Okay, well, I knew that you were pissed after the Meriwether heist, giving back the hardware. That was bullshit! Right, right. So I've been monitoring chatter, tapping into Meriwether networks? Feels good to be back in the company of a professional. I gotta say, I gotta. Now, I was expecting something a little more impressive. The late, great Michael Townley. Not so late and not so great, right? And no longer called Townley. The years have not been terribly kind. What's the end game, man? We had a good thing going without him. If it's such a good thing, where's my money, huh? Where's my consultancy and my big fat dividend? Wait, I want a franchise network, Ron. I want reward cards and merchandise. I want to make gun violence and drug dependency accessible to every man and beast from Hove Beach to Vespucci. I want country clubs and a depressed wife with blonde hair and a hot little secretary who bounces on my boy. Maybe if you buy into Oscar's business. I'm hearing there's a lot of bounce in the firearms sector. Just the plane I need to take on a heavily armed tax-funded militia. Attention, on va prendre l'avion. Get in touch with my Mexican contact. Tell him we got some guns to sell. I'll get you on the CV. Ouais, c'est automatique. Là, je vais repartir du coup. Alors, on se rappeler qu'il faut appuyer sur R1 et tout. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il va décoller? On décolle. Ok, on décolle. C'est déjà ça. Come in. The Meriwether plane's in a holding pattern over Mount Chiliad. Try and stay low. The control tower at Fort Zancudo is monitoring air traffic. Ok, j'adore cet effet. Oh! Ah merde, j'ai chopé un petit peu l'eau et du coup, j'ai mouru, comme on dit. Ouais, c'est un petit peu dommage. Franchement dommage. Là, si j'arrive à décoller avec un truc comme ça... Oh putain, sérieux. C'est un truc de malade, là. C'est excellent, hein, l'eau, hein. Vous voyez, là. Je vais remonter un petit peu parce que si on va se reprendre encore un peu de... Oh! Non, mais je l'ai même pas vu. Ouah, c'est un truc de malade, ça. Je l'ai même pas vu. Truc de fou. Enfin bon, bah c'est comme ça, hein. Je ne l'ai pas vu. Hein. Ça veut dire... Voilà. On va prendre
de la vitesse. Allez, décolle, 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 mon pépère. Voilà. Ah, décidément, l'avion et moi, wow, ça fait pas... On n'est pas très copains, en fait. Hein. Allez. Oh. Je vais me reprendre un putain de... Ah putain, non mais oh non. Alors là, le jour où vous voyez un arbre qui tue un avion, qui démolit un avion, vous m'appelez. Hein. C'est juste pas possible, quoi. Attends, putain, tu... l'avion, il démolit l'arbre. Enfin, bon... Il explose pas comme ça, enfin, je sais pas, mais... N'importe quoi, vraiment n'importe quoi, là. Je sens que c'est bien parti pour faire de la merde dans cette mission, je sais pas pourquoi. De toute façon, à partir du moment où il me file un avion ou un hélicoptère dans ce GTA, je fais n'importe quoi. J'ai du mal à apprivoiser le gameplay de l'avion, etc. Je me suis pris encore un truc, j'ai l'impression. Je sais pas quoi. Bon là ça va, on est bien parti, j'ai envie de dire. On est bien parti. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de machin, ça va. Voilà. Alors, où c'est qu'on est ? Faut aller par là. Hop. Et je tourne, vous me croyez ou pas, je tourne la tête en même temps. C'est un truc de fou. Cargo planes on my 12. You're gonna use those weapons for no good, team. You'll be better in our hands. Ouais, c'est franchement pas facile. Hein. En volant en rase-motte. I know it isn't my place to ask. But how exactly do you plan on requisitioning this equipment when you've caught up to them? Whoa! One step at a time, Ronald! Let's just get there first! You gotta drop, man! They're on their screens! Keep low! Remember! Don't want to give them reason to think you're suspect! I'm plenty low enough, Ron. Truc de fou. We're flying by the military base now. Avoid it, boss. Don't fly over. Yeah, alrighty. They're reading you, King. Descend some. You got bad information, brother. I'm fine. On va essayer de passer en dessous là. J'essaie de faire un truc de fifou. Non, 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 non. You know, the cargo plane's got four jets, a 200-foot wingspan. Yeah, 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 yeah. And I'm in a crop duster. This is something I'm acutely aware of. Enough. Don't go over the fort! Circumvent it! Je passe au-dessus du fort, enfin, ce qu'il fallait pas faire, j'ai l'impression. Je vais passer là, hein, sur le côté, là, parce que là, à chaque fois que je passe par la terre, enfin, le malade pour moi. J'entends un crépitement, je sais pas du tout ce que c'est.
Ah, j'ai des arbres, il faut que je les contourne. Un peu de fou. Allez, allez. Trop longtemps en hauteur, ils vont me repérer. You're on the radar, Trevor. Lose altitude. Oh putain, mais oh, mais oh, 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 oh. Putain, mais il faut voler à quel niveau là? Putain, j'espère que je recommence pas du début. Hein. Si je recommence du début, c'est bon quoi. Je crois que ça va me. Non, je pense pas. Il doit y avoir un point de contrôle entre deux. Ouais, quand même. C'est bien ce que je disais. Il y a bien un point de contrôle. Je sais pas si vous entendez ce crépitement. Alors est-ce que ça vient de mon matos ou est-ce que ça vient du jeu? Je pourrais pas vous dire. Je pense que ça vient du jeu. You know Ronald. Ronald, you there? Trevor. Ronnie, old boy, I never thought I'd say this, let alone think it, but it's good to be working together again. I can't tell you what a pleasure it is to have you back. Every team needs a leader and a mindless follower or two. That's right, boss. Du coup, je vais passer par la mer, hein. Je suis sûr de pas avoir un obstacle, en théorie. Allez. Allez, allez, allez. Il est en train de virer le truc là. Je sais pas si c'est une bonne idée. C'est, je vais faire. C'est que je vais passer par là. Hop, 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 hop. On va monter. I'm in control of this. D'accord. En fait, c'était un gros n'importe quoi. Il suffit juste de passer par la mer et vous voyez, il est juste en haut à droite. L'avion. D'accord. Le mec, il fait de l'épandage au-dessus de l'eau. De l'épandage au-dessus de l'eau. Mais bien sûr. Bon, je vais continuer comme ça, hein, du coup. De toute façon, si j'ai un souci, il va me le dire. Alors, on va descendre, on va descendre. Bientôt on va arriver hop, on découvre des endroits hop hop hop. L'avion, faudrait peut-être qu'on y retourne, non? Ouais, non, mais attends, c'est bon, c'est bon. Comment tu que je fasse, là? Putain. J'ai une putain d'herbe de merde, là. Où ce putain d'avion? Je retrouve pas. Hop. Hop. Et il est là-bas. Ouf. Il est juste là. On l'a retrouvé, les copains. On l'a retrouvé. Ah, je m'en sors un peu mieux, j'ai l'impression, qu'avec le gros avion de la dernière fois. Hein. Enfin, c'est une question de... Faut vraiment, vraiment prendre l'habitude du gameplay de l'avion, l'hélicoptère, c'est vraiment... Je vous assure que c'est pas un truc... Quand on dit que c'est comme une voiture, c'est faux. C'est faux et archi-faux, c'est pas du tout comme une voiture. Alors, bien évidemment, c'est pas non plus une simulation d'avion, hein, faut pas déconner. C'est comment... C'est GDR, hein, c'est pas une simulation d'avion non plus. Mais... Ça m'énerve ce grésillement là. J'espère que vous l'entendrez pas, tout du moins, ou je m'en excuse. Et là je suis en pleine mission, je peux pas m'arrêter, les copains. Comme ça. Alors.
ce que je vais faire, quand même. Ouais, je crois que ça vient du jeu parce que là, je viens de l'arrêter, il n'y a plus de son. Alors, on va essayer, on va le reprendre. Ah, ça vient du jeu, c'est un truc de fou. Enfin, je relance le jeu. Comme je suis dans la mission, j'ai pas super envie de relancer la mission. Surtout que là, on a quand même bien, bien fait du... Quel truc de fou, quoi. Le mec, il fertilise l'océan, en fait. C'est un truc de fou. Allez, hop. Ouh là 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 là. Il va nous emmener comme ça jusque où là? Parce que sérieux là, c'est juste un peu casse-burne de suivre comme ça, là, sans. Il y a rien à faire, hein, c'est juste ne pas se planter, c'est tout. Pouche trop. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, vous avez vu, il y a des trucs de vent de temps en temps, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une mission. Mais qu'est-ce que je dois faire là? C'est un truc de fou ça, attendez. Oh, c'est en train de m'énerver là, il y a du bruit là, de fond là. Je crois que vous allez l'entendre, c'est un truc de fou. Ah bah voilà, bien. Je shoot, c'est ça? This is Captain T in a 1989 Crop Duster. Let's enjoy the beautiful San Andreas weather. Excellent. C'est pas mal. Really? Shoot me down? Well, that seems a little extreme, doesn't it? We are clear to engage. Wow, je vais mourir, je le sens. You're firing rockets at a crop duster? What's wrong with you? Don't worry, I'll be back. Je vais rentrer avec mon avion là-dedans. Enfin, si j'arrive à me... Ah putain, mais je vais trop vite. Ah putain de sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Ah, je suis mort. Ah, merde. Merde. Je suis désolé pour le bruit sonore, mais je peux pas arrêter la capture parce que, en fait, this is dangerous!
crazy! Now, who's gonna fly this thing? Come in, air traffic control. There's been a change of personnel and destination on the Meriwether jet. We are now landing in Mackenzie Field. Putain. On va pas tirer sur le petit truc là, le petit aéroport. Là, si. Swapping radio channels. Over. Ron, Ron, you there? I got the jet. You with the buyers? We're here, T. Awaiting your arrival. J'ai l'impression que les gros avions, c'est moins compliqué à conduire en fait que les petits. C'est pas mal hein, quand même. Hein. Le coup d'avoir abattu les gardes, d'avoir pris ensuite le contrôle de l'avion. Ah, franchement, excellent, excellent, excellent. C'est excellent. Looks like a problem. Yourself. Ron, I've got the fucking Air Force on me. Shit! Gain some altitude. We might not tangle with you up there. We'll see if that helps. You comply immediately. Maybe I'll give you 10% of what's in the hole. Then we're all happy. D'accord. Je crois que je ne suis plus. Takedown is authorized. Change bearing or we will engage. I don't think you understand the effort I've gone to be here, pal. Ah, je monte là. Hein. Shoot me down anyway. Think of the ground casualties. Je me stabilise. Oh putain, ils sont là. Authorization process complete. Clear to engage. Eagle 1, Fox 2. Eagle 2, Fox 2. I'm hit! I'm hit! Is cooked, Ron! Ron! Ron, you hear me? Oh, your engine's gone! Get out of there, T! You're more valuable than the guns! They can't do anything! It's going down! I'm getting a shoot and I'm failing! Got one! Allez! Allez, 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 allez! Allez, putain, c'est... Putain, c'est dur là, quand même. Enfin, c'est dur, je déconne. Allez. Excellent. Voilà, on peut accélérer la chute. Voilà, et on clique sur quoi là pour... D'accord, explorer par la chute. Descendre. Il y a moins de grésillement, j'ai l'impression. Ah, ça doit être un bug du jeu, ça, c'est obligé. Voilà. Voilà. Réussi. Bon, bah, les amis, ce que je vais faire, c'est que. Il n'y a plus de grésillement. Oh si, ça vient de temps en temps. Trevor! Shit, are you okay? I saw the plane go down. I survived, and Lizard Army didn't do so well, so that's something. Ah, thank God!
The fuselage went into the Alamo Sea. You might be able to salvage the hardware with dive gear or something. Oh, good idea! But it'll take time. Tell Oscar he ain't getting these guns. Okay. Look, I gotta ask. Are you in with the federal government? An agent, Sanchez, was round here saying you and Michael had to meet his supervisors at the garage. The cook site. Fuck, I gotta do this, okay? But I'm using them, alright? They ain't using me. Let's make that clear. Bon bah voilà les amis, ce que je vais faire c'est que je vais... J'ai une bille qui clignote. Bon, écoutez, on va essayer. Ce qui est bizarre c'est que j'ai plus du tout de grésillement là, et que j'en ai quand les persos interviennent. Donc ce que je vais faire... Ouais, ce que je vais faire c'est qu'on va s'arrêter là. Je vais faire ma petite... Ouais, ça va pas du tout. Je vais sauvegarder. Et moi, je vais relancer une partie derrière. Ça sera plus simple, je pense. Voilà, hop. Voilà, ouais, j'ai un souci avec le jeu, je pense. Donc, je vais relancer le jeu derrière. Et je vous reprends de suite, les amis. À tout de suite.